Donc, je suis aujourd'hui la modératrice pour un atelier débat sur les identités décentralisées. On va essayer d'avancer les slides. Vas-y, je ne vois pas comment il faut avancer. Voilà, les identités décentralisées sont-elles... Les identités décentralisées sont-elles aujourd'hui... quel est l'enjeu économique lié aux identités décentralisées? Et je dois être maître du temps, donc on ne va pas perdre de temps. On va présenter d'abord nos quatre intervenants. Nous allons d'abord commencer par les dames. Perrine, honneur aux dames, Perrine de Coëtlogon, qui est aujourd'hui le point de contact national français de l'EBSI, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, European Blockchain Service Infrastructure, et la représentante suppléante des autorités nationales françaises dans le partenariat européen sur la blockchain. Elle est rattachée à l'Université de Lille. Nous avons également Hervé Bonazzi, qui se trouve au bout de la table, qui est un expert, qui est aujourd'hui lancé plusieurs start-up dans la fintech et la cyber, et a développé une expertise dans le domaine de la blockchain et de l'identité numérique, et est aujourd'hui président exécutif de la société Archipel. Nous avons, outre des experts purement français, un expert européen, Norberto Ostallo, qui a à la fois une double formation, ingénieur en informatique français et italien, spécialisé dans ces dernières années dans le domaine des services de confiance, les certificats en particulier, et les identités numériques. Il a un rôle aujourd'hui de business developer et sales dans la filiale CERT Europe du groupe italien InfoCERT. Et nous avons aussi un expert qui vient de l'outre-Manche, on va dire même de l'outre-Atlantique, qui est également francophone, Pierre Roberger, qui est un expert canadien indépendant avec plus de 25 années d'expérience dans la transformation numérique et de l'identité numérique en particulier. Il a participé à des déploiements importants de solutions d'identité numérique citoyenne avant aujourd'hui de devenir cofondateur au départ du laboratoire d'identité du numérique du Canada, et il en est toujours membre du conseil d'administration. Donc nous avons quatre experts de pointe, européens et francophones, pour aborder les questions qui nous sont posées. Alors, quelles sont les questions qui nous sont posées aujourd'hui ? Des questions sur l'aspect économique différent selon les différents modèles d'identité. Il faut se rappeler d'abord que depuis les années 90, nous avons eu différents modèles d'identité, des modèles dits issuer-centric, qui étaient contrôlés en particulier par les États, basés sur de la PKI, ensuite à des modèles dits user-centric, pour passer ensuite à des modèles de fédération d'identité, pour ensuite finir aujourd'hui dans le monde de la self-sovereign identité, des identités décentralisées. Et nous posons aujourd'hui deux questions. Est-ce que l'identité décentralisée est effectivement susceptible d'être moins chère qu'une identité reposant sur une infrastructure avec les publics ou sur une identité fédérée utilisant des protocoles standards, pour savoir OpenID, Connect ou OIDC? Et une deuxième question liée en fait à l'enjeu de l'univers de ces identités décentralisées pour la meilleure attraction économique. Juste pour rappel, l'année dernière, j'avais animé une table ronde sur la thématique de l'identité numérique avec Emma, qui se trouve là, et d'ailleurs Pierre Roberger, et on avait conclu sur le fait que la privacy n'était pas qu'un enjeu d'implémentation technique, mais également de gouvernance. Et nous verrons au travers de cette table ronde, pour répondre à la deuxième question, que la gouvernance a un impact énorme sur le business model. Mais on va essayer d'abord de répondre à la première question, qui est assez épineuse. Donc il faut déjà comprendre les différences de modèles, et pour cela, je vais commencer par me tourner par Roberto. Roberto, aujourd'hui, peux-tu nous décrire un petit peu le modèle de ce que c'est d'abord que de la PKI et le modèle lié à ces modèles d'affaires à la PKI et des certificats? Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à tous. Oui, en fait, comme tu as dit, j'apporte aujourd'hui l'expérience d'InfoCERT et de CERT Europe, qui sont des prestataires de services qualifiés en Europe, qui ont en fait déjà fait ce parcours d'évolution à partir d'une gestion d'identité centralisée, basée sur une infrastructure à clé publique, pour passer à une identité fédérée et à la fin arriver à des solutions, des produits de
pour la gestion des unités totalement décentralisées. Donc, on démarre avec ce que c'est le corps de métier d'un prestataire de services qualifiés aujourd'hui, que c'est basé sur l'infrastructure à clé publique. Vous voyez, dans le centre, le cœur de ce schéma, il y a toujours l'autorité de certification. Donc, ça veut dire que c'est un modèle basé où, au centre, il y a l'autorité de certification qui a le rôle d'entité avec le trust. Et dans ce schéma, on peut voir qu'il y a une communication à partir d'un utilisateur de certificate holder, on peut voir là, qui veut envoyer une communication, un message de données à un destinataire. Il doit obtenir avant, pour prouver sa identité, un certificat. Le certificate holder peut être une personne physique, mais peut-être aussi une personne morale, peut-être un site web, peut-être n'importe quoi. Mais c'est nécessaire d'avoir un certificat approprié pour démontrer sa propre identité dans le domaine digital. Pour demander ce certificat, c'est nécessaire de passer pour une autorité d'enregistrement, le Registration Authority, qui va valider et envoyer la requête à la Certification Authority qui donnera le certificat au demandeur. Quand la communication est mise en place, la personne qui va recevoir les données pour vérifier que la communication se vient d'une mauvaise personne qui a envoyé le message peut vérifier cette information sur la base des repositories où le certificat peut être validé. Donc, pour la validation, c'est nécessaire une communication avec, de nouveau, la Certification Authority. Donc, vous voyez, le rôle de la Certification Authority, c'est central dans ce modèle, ce schéma-là. Donc, merci, Norberto, pour cette première introduction. En fait, aujourd'hui, une deuxième question se pose. Est-ce que ce modèle d'affaires de certificat est même adapté à la durée d'une vie, d'une identité, d'une carte d'identité qui peut avoir de 5 à 10 ans, ou la vie, ou le système d'une identité numérique? Oui, c'est une autre question très intéressante parce qu'aujourd'hui, le certificat, normalement, a une durée qui est maximum de 3 ans. Mais par contre, les pièces d'identité qu'on est habitué à utiliser, ils ont des durées qui peuvent être 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, il y a des cas où, dans la carte d'identité donnée pour le gouvernement, il y a aussi des certificats, mais on a aussi le problème que le certificat a une durée qui est différente de la durée du document d'identité. Et en plus, on doit aussi penser qu'il y a des autres problèmes à gérer. Pour exemple, la suspension du certificat. Le certificat peut être suspendu, mais ce n'est pas valide ça pour le document d'identité. Exactement. C'est ce que je voulais démontrer ici. C'est que si on reprend le modèle estonien, qui est souvent cité comme un modèle exemplaire, le modèle estonien commence par un modèle également issuer-centric, où le certificat est émis par l'État pour vérifier comme un certificat de l'identité numérique du citoyen, soit dans la SIM du mobile qui est sous le contrôle de l'État, soit dans la carte. Et ils ont eu un petit problème avec la puce qui a détecté une vulnérabilité, ce qui fait que tous les certificats de ces cartes, donc 760 000 cartes, ont été révoqués, ce qui a entraîné également des cas de failles de données personnelles importants. Donc on voit bien que la problématique de la gestion de certificats est importante. Je voulais également présenter ce modèle, puisque en fait l'Estonie est également l'un des premiers États à avoir mis en place, en parallèle d'un modèle PKI, une structure de distributed PKI, qui s'appelle KSI, Keyless Signature Infrastructure de Guardtime, qui leur a permis en fait de distribuer sur les nœuds dans différentes ambassades certaines données, en particulier pour faire fonctionner leur système X-Road, mais toujours dans une vision purement sous le contrôle de l'État estonien et uniquement pour des services d'administration publique. Donc là, dans ce cas-là, nous n'avons pas de problématique de business model d'affaires. C'est une solution en interne d'un pays contrôlé par l'État et pour les administrations publiques. Mais c'est intéressant de présenter ce premier modèle. Mais par contre, on nous a posé la question, quand on passe du modèle user-centric de la PKI également à la fédération d'identité, de savoir quel est le modèle aujourd'hui d'une fédération d'identité.
où aujourd'hui, elle permet d'avoir des identités numériques multiples qui ne sont pas liées uniquement à un identifiant unique comme en Estonie ou à plusieurs émetteurs d'identité. C'est le cas de France Connect. Par contre, on ne va pas pouvoir détailler le modèle de business model de France Connect parce qu'en fait, France Connect aujourd'hui, eh bien, si un fournisseur d'identité, un fournisseur de moyens d'identification électronique privé émet le service pour un fournisseur de services privé, il faut qu'il y ait un accord bilatéral. Donc, il n'y a pas de système de facturation mis en place. Par contre, je voulais laisser parler Roberto, puisqu'il est en Italie, pour nous présenter justement le modèle SPID qui a mis en place un système de facturation. Exactement. Donc, SPID, c'est le système public d'identité digitale adopté en Italie. Aujourd'hui, on a plus de 34 millions de citoyens italiens avec cette identité digitale qui peut être utilisée dans le domaine public. Donc, avec cette identité digitale, je peux démontrer ma identité sur tous les sites web, avec les interactions avec l'administration publique. Mais, et dans ce cas-là, c'est un modèle d'usage gratuit. Mais par contre, en parallèle à ça, il y a aussi un modèle d'usage, le cas d'usage de SPID dans le domaine privé. Donc, par exemple, aujourd'hui, je peux aussi ouvrir un compte courant sur une banque en démontrant ma identité avec SPID. Dans ce cas-là, c'est un modèle payé. Ça veut dire que la banque sera facturée et doit payer, bien sûr, le fait qu'il utilise une identité qui a été validée pour un fournisseur d'identité digitale. Effectivement. Donc, on a déjà ce premier modèle. On voit déjà les différences de modèles entre un root of trust centralisé avec un système où là, il faut déjà commencer à distribuer la facturation à différents émetteurs à différents services et voire différents émetteurs. Excusez-moi. Oui. En fait, ici, on est déjà passé du modèle centralisé de infrastructure à clé publique à un modèle fédéré. Parce que, comme on a dit, il y a plusieurs fournisseurs d'identité digitale qui tous travaillent dans le même schéma technique. Mais on est toujours dans un modèle avec la fédération, dit double aveugle, mais ça n'empêche pas la corrélation des usages. Donc aujourd'hui, Norberto, donc, pouvez-vous nous développer les solutions d'identité numérique pour lesquelles vous avez déjà développé apparemment des solutions pour permettre des identités numériques multiples, sans identifiant unique, sans corrélation des usages, comme le préconise la CNIL dans son dernier document émis au mois de mars sur l'identité numérique, et qui permet d'avoir des émetteurs privés quand même bien même les données de l'état civil n'auraient pas été validées ou révoquées. Oui, exactement. Donc, comme je dis, on a fait l'évolution, on a vu le système complètement centralisé de PKI, le système fédéré de SPID, et à la fin, où on est arrivé, c'est à développer une solution totalement décentralisée. Pour changer complètement le schéma, ici, on voit qu'au centre du schéma, il y a le holder. C'est toujours l'utilisateur qui est central. Mais par contre, au moins, il y a beaucoup de différents modèle économique qui peut-être mettre en place avec ce modèle. Ça, c'est un modèle basé sur le concept de self-sovereign identity, qu'il y a différents, je dirais, plusieurs raisons pour l'adoption, mais du point de vue économique, c'est la question d'aujourd'hui. Le changement ici, c'est qu'on ne demande plus à l'utilisateur de payer pour sa identité, parce que c'est ce que ça s'appelle dans le schéma le verifier, comme peut-être la banque ou n'importe quelle entreprise qui doit offrir un service qui veut valider une identité ou même des attributs liés à cette identité, qui paye pour avoir cette information. Et paye le issuer. Le issuer, c'est l'entité qui a donné et validé les crédentiels à l'holder. D'accord. Donc, vous avez aujourd'hui implémenté une solution un petit peu de ce type d'architecture. Exactement. On a en fait démarré déjà le développement de cette solution il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui parle de futur. On est déjà en production avec des banques, des telcos, des clients qui ont déjà adopté ce schéma-là. Et on est déjà aussi même en production avec la facturation de ce schéma-là. Donc, aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de distribuer, en fait, le système de facturation par rapport à un modèle d'identité décentralisée. Exactement. Ça va me permettre de faire le relais avec Pierre.
pour répondre donc plus profondément dans les détails des différents coûts de structure et les différents modèles d'affaires selon deux types de gouvernance d'identité décentralisée, puisqu'au fait, Pierre, tu as l'expérience au Canada d'un modèle d'identité décentralisée régalien, disons public, et l'autre plus privé, et donc approfondir ces points de coûts de structure ou de business model par rapport à ces différentes solutions. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, alors, je pense qu'on peut regarder au niveau de la structure des coûts, il y a trois grandes catégories. La première catégorie, on parlera des coûts d'infrastructure ou du coût opérationnel. Ici, on parle de mettre en place le réseau. Souvent, pour le réseau, on parle de la blockchain. Des fois, on pourra parler de registres décentralisés. Il y a différentes technologies qui peuvent être utilisées. Ce n'est pas nécessairement de la chaîne des blocs, mais c'est souvent une chaîne des blocs qui amène un aspect de redondance aussi. C'est une façon, le réseau, c'est une façon pour les organisations qui veulent s'y connecter. C'est une façon pour les organisations qui veulent s'y connecter. Ce n'est pas toutes les organisations qui vont avoir le droit d'y écrire. Très souvent, particulièrement dans des déploiements du secteur public, on va réserver le droit d'écriture à des organisations en particulier et on va ouvrir la vérification, donc la lecture, l'accès au réseau à toutes les organisations qui vont vouloir pouvoir bénéficier du service. Dans les autres coûts d'infrastructure, il faut penser au portefeuille. Il y a beaucoup dans le wallet en France. Donc, il y a des coûts importants. Le wallet, c'est le dernier mille de l'expérience usagée. C'est sur très souvent des téléphones mobiles. Des téléphones mobiles qui ont deux grandes révisions par année sur deux systèmes d'opération. Donc, c'est des coûts très importants. Je vous invite à vraiment prendre ça en considération, d'apprendre un peu de qu'est-ce qu'on a vu dans le paiement mobile. Donc ça, c'est un coût important. Je veux revenir sur la chaîne des blocs. C'est une façon de distribuer les clés de façon automatique au destinataire. Le destinataire peut être une organisation, le destinataire peut être un individu, le destinataire, on peut avoir différents rôles, différents types légal, on pourra dire, de destinataire, mais c'est une façon de distribuer des clés, de faire la rotation des clés sans avoir juste une seule root of trust. C'est aussi une façon de voir si certaines des clés ou si une clé ou un document a été révoqué. Mais cette approche-là, donc des coûts qui sont fortement réduits au niveau de la gestion du cycle de vie des clés. La deuxième grande catégorie, je l'appelle les coûts à l'usage. Dans les coûts à l'usage, je vais parler de l'intégration. La première fois qu'une entreprise va vouloir se connecter sur le réseau, souvent, particulièrement dans l'aspect de protéger la réputation du réseau, protéger la réputation du service, on va vouloir s'assurer de la conformité ou de l'interopérabilité de la connexion d'une organisation. J'inclus le coût d'une intégration. Quand l'organisation se connecte pour la première fois, il y a un coût d'intégration. Après ça, on a vraiment des coûts qui sont plutôt minimes au niveau de l'émission et de la vérification. La troisième grande catégorie de coûts, et c'est probablement la plus importante, et c'est probablement, survu, c'est le coût de la gouvernance. Donc, dans les coûts de la gouvernance, il faut vraiment voir les coûts de la sécurité. Comment on protège la réputation du réseau? Comment on évince les mauvais acteurs? En Europe, comme au Canada, on avait des pays qui étaient amis, qui sont devenus ennemis ou avec qui on ne veut pas faire affaire. Comment on est capable de sortir les acteurs qui ne sont pas désirables? Ça peut être le crime organisé ou ça peut être pour des statuts légaux, etc. Il faut savoir comment le faire dans un environnement qui est décentralisé. C'est important et ça ne peut pas être... C'est important de bien le faire et c'est important de le faire de façon consistante avec les acteurs. J'ai parlé des niveaux, dans la gouvernance, on parle aussi, il y a des niveaux de confiance. Ce n'est pas tous les acteurs qui vont avoir le même niveau de confiance. Quelqu'un qui émet un permis de conduire va avoir un plus haut niveau de confiance qu'une association ou une bibliothèque qui va vouloir émettre des cartes d'abonnement à ses membres.
Donc, les niveaux de confiance, ça s'applique aux émetteurs, ça s'applique aux vérificateurs et aussi, il faut penser au niveau des portefeuilles, les wallets que les États ou les organisations vont bien vouloir supporter. Tout l'aspect de gouvernance est vraiment au niveau de la protection de la réputation, parce que si nos utilisateurs perdent confiance dans le réseau, si on pense que c'est utilisé par les criminels, si on pense que si un utilisateur pense qu'il va perdre le contrôle de ses informations, va arrêter d'utiliser le service et ça va être vraiment catastrophique. Vraiment, la différence dans la modulation des prix, des investissements à faire, va dépendre du modèle. Si on parle d'un modèle qui est public ou d'un modèle qui est... si les opérateurs sont publics ou si les opérateurs sont privés, les investissements vont différer, mais c'est les trois grandes catégories qu'on peut identifier dans un projet. Merci Roberto pour ces premières introductions, mais c'est surtout ce qu'il faut également mettre... Excusez-moi, c'est l'après-midi, ça doit être la digestion un peu difficile de l'andouillette de ce midi. On disait donc, Pierre, effectivement, merci pour cette introduction. Effectivement, également, la gouvernance, de toute façon, on a le même problème avec un fournisseur de certificats dont la réputation peut être remise en cause du jour au lendemain, ou une fédération d'identité s'il y a une faille de données personnelles. Donc, la gouvernance est un enjeu central, et l'avantage de la distribution, c'est également de pouvoir... avec des différents nœuds, d'assurer le recovery plan beaucoup plus facilement, je pense. Mais donc, dans le modèle privé, dans le modèle public, en général, complètement public, on n'a pas de problème de business model, comme on a vu tout à l'heure pour l'Estonie, mais dans le modèle privé, il faut pouvoir facturer. Donc, comment on fait une facturation dans un système distribué ou décentralisé de self-sovereign identité, tout en gardant la protection de la vie privée et sans corrélation des usages? Je vais revenir rapidement sur un point. On pense que si c'est un service est offert par le gouvernement, par le secteur public, il est nécessairement privé. Ce n'est pas toujours le cas. On peut penser au passeport. Au Canada, un Canadien va payer pour avoir son passeport. C'est un service additionnel. Ce n'est pas tous les Canadiens qui ont besoin d'un passeport. Donc, si c'est pour un groupe plus sélect, il y a des cas où il n'est pas inapproprié de charger l'utilisateur. Par contre, ça serait très difficile pour nos gouvernements de faire de l'argent sur le dos, sur les informations personnelles de leurs citoyens. Ils ne peuvent pas vraiment reprendre le modèle de Facebook, des GAFAM. C'est un petit peu du cas par cas. Si on revient aux organisations, aux opérateurs privés, souvent, on va voir des frais de la facturation au niveau de la connexion, de l'intégration. Il y a un coût pour faire l'onboarding, pour permettre la connexion à une organisation. Des fois aussi, on va voir un coût à la vérification. On peut penser à une autoroute où, si on pense au service, la façon où il y a des échanges, il y a des transports d'actifs numériques de confiance. Donc, ça peut être approprié d'avoir de la facturation pour la vérification. Et même, il y a des cas où on peut voir de la facturation au niveau de l'émission. Et un cas d'utilisation, pour ça serait une utilisation professionnelle. Donc, un ordre professionnel qui veut émettre une attestation ou une personne professionnelle qui veut être capable d'avoir accès à des nouveaux services en utilisant son identité, ses actifs numériques, ses identités numériques, pourrait être prêt à acheter, d'avoir cette capacité-là, un petit peu comme les road warriors, les personnes qui voyagent souvent, on va acheter les documents pour passer plus vite à la sécurité. Donc, on peut voir aussi à l'émission de ces documents-là, l'utilisateur va payer. Le deuxième modèle qui est très différent, c'est le partage des coûts basé à l'utilisation. Donc, si
pour une raison ou pour une autre, les demandes, les requis de protection de la vie privée ou même les informations qu'on veut colliger pour être capable d'identifier le type d'information, pour être capable de faire la facturation, si on ne veut pas s'appliquer à ça, il y a une façon de faire le partage des coûts entre les utilisateurs. On va être capable de savoir, une organisation va être capable de savoir, j'ai fait 1 million de transactions, le réseau a fait 10 millions de transactions, donc je prends en charge 10 % des coûts. Et on est capable de faire la séparation de ces coûts-là. Donc, c'est le coût total du service dans une année avec l'utilisation d'un acteur principalement business, une organisation, pas les utilisateurs finaux, qui va prendre en charge sa partie du coût. Et on voit un modèle, il y a un modèle similaire à ça au Canada où notre réseau national de paiement par débit est un, les coûts sont partagés de façon proportionnelle à l'utilisation des émetteurs. D'accord. Donc, en fait, c'est un coût proportionnel par rapport à une... C'est comme si on avait une signature de groupe. En fait, on anonymise en fait le coût à la transaction en faisant un coût généré sur l'ensemble des transactions pour éviter la traçabilité des usages. Exactement. Donc, tu as évoqué effectivement qu'en général, il peut y avoir pour certains usages premium comme la délivrance du passeport, mais nous aussi, en France, hein, si on veut avoir un passeport, on a un petit timbre à payer qui vaut une petite somme. Mais si on veut d'autres usages, les données personnelles aujourd'hui sont effectivement accessibles à tout le monde. Et en particulier, on a le droit d'accès au RGPD et le droit à la portabilité. Et on a aussi, lorsqu'on veut obtenir certaines attestations, eh bien, elles sont gratuites. Il y a des opérateurs télécoms ou aujourd'hui des opérateurs d'énergie qui ont l'obligation en France de déjà d'émettre nos justificatifs d'adresse pour certains usages. Et je vais donner un autre exemple, les diplômes. Alors, dans un passé lointain, quand j'avais besoin d'attester les diplômes pour mes premiers employeurs, j'allais voir le secrétaire ou la secrétaire de mairie, je présentais l'original, une pièce d'identité, en sachant qu'en France, l'identité se prouve par tout moyen. Une pièce d'identité suffit, mais ça peut être aussi un autre moyen. Et on recevait le petit tampon certifié conforme pour ensuite le présenter à son futur employeur. C'était le modèle de l'attestation gratuite du diplôme. Ce qui va me permettre de faire la transition naturelle avec Perrine, qui va nous parler des attestations de diplôme dans le monde numérique. Elle a déjà... Et après leur premier projet France BSI et une démonstration attestation d'Université de Lille, hein, c'était les premiers projets pilotes. Aujourd'hui, peux-tu nous parler un petit peu plus en tant que coordinatrice française du projet Vector et de son système vertueux, et également de son business model et comment vous supportez ces différents coûts? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, et on va changer de micro. Oui, bonjour à tous. Ça va? Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, en 2018, je travaillais pour j'animais un groupe de travail national pour le ministère de l'Éducation nationale qui se demandait ce que la blockchain pourrait apporter pour la certification des compétences. Et de toute la France, il y avait des gens intéressés par cette thématique. Pourquoi il y a des idées dans la blockchain et dans les crypto-monnaies et il y a la réalisation, évidemment, d'une transformation publique qui n'est pour une université ni de l'enseignement ni de la recherche, mais bien la transformation d'un papier et d'un processus qui aboutit à un papier, à un processus numérique où on réfléchit le diplôme au 21e siècle. Qu'est-ce que ça doit être? Comment on peut aider les personnes? Donc d'une part, évidemment, l'idée des registres amenait à s'interroger sur ce qu'étaient les registres et les données au cœur d'une université, dans son système d'information. Et il y avait notamment les données des diplômes. Et ensuite, donc ça c'était l'idée de registre. Et puis alors des étudiants actuellement en Europe, il y en a 20 millions, hein. En France il y en a 3 millions, donc ça, c'est quand même une population nombreuse. Mais ce n'est pas seulement une population nombreuse, parce que le diplôme c'est la fin. C'est la fin d'un processus et c'est le début de la vie professionnelle, de la vie en général. Et donc, on est vraiment sur des idées, en fait, d'aider les citoyens, parce que finalement, on ne se sert de son diplôme que quand on quitte l'université. Donc, c'est vraiment intéressant de l'avoir. Et puis, vous pouvez me croire, depuis tout ce temps-là, j'entends toujours une histoire comme celle-ci,
où on se rappelle qu'on a dû prouver, même à 40 ans et parfois à la retraite, pour aller donner des cours au Qatar, on va devoir prouver qu'on est bien diplômé ingénieur des mines il y a 40 ans. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'histoires, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur les diplômes dont on croit qu'ils ne servent pas et en fait régulièrement ils servent et surtout en début de carrière. Donc il y avait cette histoire de diplôme, mais il y avait aussi l'histoire de qu'est-ce qui serait en fait une alternative au diplôme, comme le Bitcoin serait une alternative à une monnaie ayant cours légal. Et c'est vrai que si on réfléchit, l'université, elle a été certifiée par le ministère de l'Enseignement supérieur comme un organisme de formation, hein, le ministère de l'Enseignement supérieur pour être la banque centrale. Ensuite, il y a des universités agréées et les universités émettent des diplômes à l'issue d'une évaluation des étudiants et qui permet de leur certifier leur niveau sur des connaissances et des compétences. Eh bien, toute cette réflexion-là était très intéressante pour réfléchir à des alternatives aux diplômes que seraient les open badges. Et justement, les open badges, ce sont aussi des verifiable credentials. Donc, vous voyez, on retournait sur des idées de reconnaître entre pairs les compétences des personnes, où elles en sont, y compris celles qui n'ont pas de diplôme ou dont les compétences à 35 ou 55 ans ne sont plus les mêmes qu'à l'origine du diplôme. Donc, toutes ces idées-là vont vers une identité, éducation, formation tout au long de la vie, qui est particulièrement intéressante de développer, comme c'est le cas en France, un peu dans mon compte formation, avec la création récente sur ces idées-là, d'un passeport orientation, formation, compétences. Alors, à l'Université de Lille, comme après avoir animé ce groupe de travail, je suis allée à Bruxelles, on s'est retrouvés nombreux de toute l'Europe à dire « il y a un cas diplôme ». Et c'est pour ça, là, je vous réexplique ce cas diplôme, parce que ça revient, et on comprend pas toujours l'intérêt et l'utilité. Alors, à l'Université de Lille, c'est la plus grosse université de France par le nombre d'étudiants, 80 000 étudiants. Donc, vous imaginez le nombre de diplômés par an, c'est à peu près 20 000, puisque la licence, c'est les plus grosses cohortes, et on a un diplôme au bout de 3 ans seulement. Et on a réfléchi aux données, ce qu'on voulait reconnaître aux étudiants. On a traduit ces données en anglais, ce qui était un sacré travail, parce qu'il y a 700 offres de formation différentes qui aboutissent à des degrés. Et donc, on a été financé pour ça par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi dans l'interconnexion avec le BSI, avec la société partenaire BC Diploma et le groupement d'intérêt public Rénater pour porter les nœuds en pré-production de l'EBSI. Et on a effectivement émis déjà 35 000 attestations numériques de réussite au diplôme. Et en attendant la mise en production de l'EBSI, donc ça c'était financé par l'Europe 1, cette connexion avec l'EBSI, mais en attendant on a émis dans Avalanche, puisque c'était une blockchain d'une particulière sobriété numérique. Alors le BSI, je rappelle que c'est l'infrastructure européenne de services blockchain pour la transformation des services publics. Et depuis hier, j'entends parler d'énormément de droits bancaires et de standardisation. Eh bien, je vous assure qu'un diplôme ne vaut pas partout pareil. C'est une question extrêmement complexe que l'Union européenne ne doit pas traiter. Ça ne fait pas partie de ses compétences. C'est traité à côté par le Bologne, enfin un traité de Bologne qui a 25 ans et qui permet d'avancer sur la modification justement de ces parcours de certification avec des ECTS, European Credit Transfer System. Donc vous voyez, on parle aussi de crédit d'éducation et de formation. Voilà, donc pour le modèle économique, eh ben, c'est encore novateur, on ne peut pas encore dire que ce soit abouti, on est en train de le faire, on est en train de convaincre l'enseignement supérieur français et européen que l'ensemble des universités émettent dans le BSI les diplômes, les compétences. Vector, ça sera sur les compétences puisqu'on a déjà réalisé les diplômes en early adopters. Et on a hâte évidemment de voir cette infrastructure de confiance permettre à tout le monde d'obtenir son diplôme, de le faire vérifier rapidement par un employeur. Donc je récapitule, on a l'organisme certifiant les universités, on a les universités qui émettent l'attestation et on a le citoyen ayant fini ses études qui possède son document en propre et qui peut le faire vérifier par n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant que ce ne soit pas l'enseignement supérieur lui-même qui ait créé un outil pour ça, mais que ça soit sur une blockchain tierce, justement,
interopérables avec les solutions qui aboutiront certainement dans les années à venir. Voilà, c'est économique parce que aujourd'hui, le modèle papier, c'est un modèle papier velin spécifique de l'imprimerie nationale, comme un chèque de banque. C'est, il faut l'imprimer, il faut l'envoyer, donc il faut le transporter. On a eu un très bel exemple de Djibouti où la personne, le moment où elle a eu son lien, aujourd'hui c'est un lien, c'est pas encore dans le e-wallet, mais il est développé, on va faire les tests, les premiers tests diplôme dans e-wallet cette année. Toujours avec la société BC Diploma qui en a développé un. On a d'autres demandes, hein, on essaiera d'en faire un maximum et de proposer plusieurs wallets. Ça a été vérifié là-bas à Djibouti. Et je dois dire, j'ai regardé les statistiques hier, pour 35 000 attestations numériques uniques à des étudiants, il y a déjà eu 60 000 vérifications depuis 132 pays. Voilà. Donc, ça a une utilité immédiate, certaine, et c'est tellement plus facile que de se déplacer avec un papier, mais ça a la même utilité que le papier. On n'a pas besoin de se connecter à une administration française pour vérifier le diplôme ou le transférer. C'est vraiment à la main de l'utilisateur. Donc, merci. Effectivement, Perrine, merci pour cette introduction et ce beau projet Vector qui montre l'intérêt d'une route Web 3.0, de l'interopérabilité européenne, voire mondiale, en tout cas pour les diplômes, pour pouvoir se déplacer et travailler dans le monde entier, puisqu'en fait, aujourd'hui également, c'est un des projets également du pilote d'essai for EU, hein, c'est vraiment le projet du consortium européen, je crois mené par l'Espagne, qui intègre vos cas d'usage de diplômes, mais également de sécurité sociale pour qu'un étudiant ou quelqu'un puisse travailler d'un pays à un autre. Donc, outre le succès d'interopérabilité, est-ce qu'aujourd'hui, ces modèles d'interopérabilité et de standardisation, donc transfrontalière, auraient pu être obtenus, selon toi, par une autre technologie ou un autre modèle économique ? Je n'en ai pas l'impression parce qu'en fait, la blockchain a permis d'embarquer beaucoup de personnes dynamiques et enthousiastes, déjà, et ensuite sur l'ensemble de ces idées et d'avoir une vue générale. Et finalement, je vois bien ma directrice de la scolarité, qui est la personne métier qui a soutenu ce projet et qui a souhaité le faire, puisqu'on a eu 37 personnes différentes de l'université qui ont travaillé, pas à temps plein, bien sûr. Et beaucoup de personnes de la scolarité sur les données, les traductions, etc. Et donc, je peux juste dire qu'elle trouve que c'est particulièrement utile, la blockchain, pour le côté authentique, authentification des documents. Et surtout pour le fait que ce soit externe et pas une solution interne à l'université. Elle trouve que c'est comme ça que l'étudiant a vraiment le document en main et peut le partager plus facilement. Et aujourd'hui, la plupart ce sont des logiciels, hein, bien sûr, qui suivent le parcours étudiant tout au long du moment où il s'inscrit, ses notes, ses bulletins, ses évaluations, la tenue des jurys. Il faut un moment sortir du système logiciel interne pour aller vers un système où toutes les parties prenantes peuvent interagir. Et ça, c'était vraiment précieux, et seule la blockchain pouvait l'autoriser. J'ajoute que dans le BSI, ce sont les États membres, hein, qui tiennent les nœuds. Donc en fait, ce sont les ministères qui seront... on est bien sur une blockchain permissionnée sans aucun minage. C'était évidemment très important au domaine éducatif de ne pas aller vers des blockchains avec des dérives énergivores. Et donc on est sur une blockchain EBSI tenue par les États membres où les ministères seront agréés et agréeront les personnes qui émettront directement dans la blockchain. Donc voilà. En fait, effectivement, le BSI est un rôle aujourd'hui d'une autorité certificatrice en fait du réseau structurant la solution de validation des attestations et interopérable et financée par l'Union européenne sur les nœuds européens. On a aujourd'hui d'autres structures d'architecture, de DLT, de consortium qui sont aujourd'hui créées sous forme de coopératives comme Findinet par la Finlande ou Adignon qui ont déjà aussi été cofinancés ou en cours de financement respectivement par la Finlande et par l'Allemagne. Et ces deux coopératives sont déjà intégrées dans le Large Scale Pilot EWC pour un cas d'usage de transport associé au paiement. Mais ce standard EWC, ce pilote EWC du projet EWC pour le wallet européen traite aussi, c'est le seul, c'est bien noté, de l'identité personne morale avec la participation d'Infogreffe et de Archipel. Ce qui me permet de,
de questionner Hervé. Peux-tu justement nous indiquer ton implication dans ce projet EWC et comment un modèle commercial peut se construire à la différence des architectures EBSI ou de coopératives cofinancées par les États où vous avez obligatoirement un objectif de rentabilité économique? Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, donc pour rappel, un Archipel, c'est une société de consortium qui en effet vise à construire une infrastructure blockchain souveraine et co-responsable en Europe et qui est financée par des grands tiers de confiance, alors que c'est indirectement aussi du financement public parce que c'est la Caisse des dépôts, le groupe La Poste, EDF et Engie, mais c'est à vocation plus industrielle et plus à apporter des cas d'usage dans le secteur privé. Mais ça montre le besoin d'avoir en effet des consortiums qui soient un petit peu à mi-chemin entre le secteur public et le secteur privé pour porter ces cas d'usage qui vont faire le lien finalement avec les missions d'une identité régalienne, qu'elle soit pour une personne physique ou une personne morale, et des cas d'usage qui ne sont pas seulement des cas d'usage de secteur public ou d'accès à des services publics, mais qui sont aussi des cas d'usage finalement d'interaction avec des acteurs privés, dans le secteur financier, finalement dans tous les autres secteurs, parce que vous le savez maintenant, les identités numériques vont quand même révolutionner toutes les interactions digitales finalement. Et donc c'était important pour nous de créer ça, et finalement on en revient un petit peu au modèle économique, parce que le fait de porter une infrastructure ensemble, c'est finalement partager les coûts de cette infrastructure et d'en bénéficier tous ensemble. Et donc c'est nos quatre actionnaires aujourd'hui qui portent ça et qui ensemble aussi partagent les revenus finalement et partagent les revenus du système. Alors pour parler du cas d'usage de WC, en effet, c'est un des consortiums qui a été retenu par la Commission européenne pour déployer des pilotes à grande échelle de wallets. Et en particulier, le consortium WC alors se concentre sur deux grands cas d'usage. Un cas d'usage voyage pour les citoyens et un cas d'usage plus centré, en effet, sur l'identité des personnes morales, parce que c'est un petit peu oublié dans ces projets de wallet, mais le règlement IDAS précise qu'il va bien falloir aussi traiter du sujet des identités numériques des personnes morales dans les wallets. Et donc ce qu'on développe en partenariat en effet avec Infogreffe et pour le porter à l'Europe et le porter dans ce projet de pilote transfrontalier, c'est un portefeuille pour la personne morale, avec en effet comme source authentique finalement les registres de tribunaux de commerce, et puis après en effet toute la puissance des wallets et de la sécurité des interactions par le biais donc des attestations numériques, hein, des credentials et des présentations, pour en effet résoudre un certain nombre de problématiques comme des cas d'usage de public procurement par exemple, hein, donc de B2G, donc comment en effet un gouvernement qualifie les entreprises qui viennent le voir, soit pour des réponses à appels d'offres, soit pour des délivrer des subventions par exemple, et des cas d'interaction B2B, de connaissances client-fournisseur et après de paiement. Et donc en effet on va intégrer ce type de workflow dans les wallets sur la base donc de d'informations certifiées donc sous forme de verifiable credentials qui seront échangées entre les organisations. Donc ça va nous permettre de tester ces cas d'usage vraiment centrés sur l'identité de l'entreprise. Et on va surtout aussi dans EWC. Alors EWC, une des particularités de ce consortium aussi, c'est que il est emmené par beaucoup d'acteurs qui ont fait le choix des technologies blockchain pour porter ces cas d'usage. Donc il y a ID Union en Allemagne qui est le consortium en effet d'acteurs allemands. Il y a Findinet sur les pays nordiques, il y a Archipel ici en France. Donc on va pas construire un seul registre, mais on va surtout travailler à démontrer l'interopérabilité entre registres et de pouvoir finalement faire fonctionner la promesse du wallet européen sur plusieurs registres,
chacun distribué, mais où on va pouvoir travailler sur l'interopérabilité entre ces registres. Donc nous, on va aussi beaucoup apporter ça. Donc le registre Archipel sera l'un des registres qui va porter les DID et les credentials WC. Et surtout, donc, cette interopérabilité sera démontrée. Et ça, c'est important pour démontrer que les identités décentralisées et ces registres apportent vraiment des bénéfices par rapport à des infrastructures centralisées. Mais en effet, on ne peut pas penser qu'il n'y aura qu'un seul registre néanmoins en Europe. Et donc, il faut quand même montrer cette interopérabilité. Cela dit, on pense que ça reste plus efficace que des systèmes basés sur des autorités de certification centralisées qui, par définition, peuvent être en effet l'objet d'attaques qui ont besoin de se coordonner entre elles pour garantir l'interopérabilité. Et donc, les registres distribués apportent néanmoins beaucoup d'atouts. Et surtout, cet effort commun et ce partage des coûts d'une infrastructure qui, par définition, va être plus résiliente, plus transparente, plus sécurisée. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que l'identité décentralisée apporte beaucoup d'avantages par rapport aux infrastructures PKI, même si il est évident que les deux systèmes vont coexister, finalement, dans un schéma européen qui se veut à la fois très régalien, finalement, et aussi très ouvert pour favoriser l'adoption et porter tous ces cas d'usage potentiellement du secteur privé, ou parce que, en effet, si on revient à ce que disait Pierre sur le sujet de la gouvernance, dès lors qu'on ouvre à des cas d'usage potentiellement illimités, on ouvre à un nombre d'acteurs illimités, et donc il va falloir gouverner les listes, finalement, les trusted lists, et c'est clairement pas un État ou même l'Europe, enfin, c'est pas son rôle de gérer ces listes d'acteurs privés qui vont être difficiles à gérer. Donc il va falloir créer ces organes de gouvernance, et on pense que les technologies blockchain apportent aussi cet atout de forcer finalement une gouvernance par la gouvernance de l'infrastructure elle-même, mais finalement c'est une gouvernance qui fait des choix structurant, hein, d'autoriser un tel ou un tel à lire ou à écrire, d'autoriser tel acteur à être enregistré dans la liste ou à être évoqué parce qu'il s'est mal comporté ou parce qu'on souhaite interdire cet acteur et considérer que c'est un site frauduleux en fait et qu'il ne doit pas rentrer dans le schéma de confiance. Et donc ça reste à construire à l'échelle européenne. Et c'est probablement pas aux autorités de prendre tout ça. Et les infrastructures distribuées apportent cette vertu de la gouvernance, finalement, apporter ensemble un registre commun, partagé, résilient. Et ça nous paraît un atout essentiel aussi. Ouais. Merci Hervé pour cette première réponse. En fait, aujourd'hui, tu évoques également ce large scale pilot. Ça va être pour vous aussi l'opportunité, outre l'interopérabilité, de tester la scalabilité. Dernièrement, votre CTO est intervenu j'ai vu qu'il a été interviewé dans le JDNet le 20 février et il a évoqué une architecture à utiliser un réseau secondaire, un layer 2, en indiquant qu'il avait différents avantages. Et j'aimerais savoir si tu pourrais nous en parler plus de l'intérêt de ce layer 2, également potentiellement, outre sur la scalabilité, sur l'intérêt économique par rapport à des architectures de consortium, mais potentiellement également pour des architectures publiques. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet important, alors qui est un peu plus technique, mais qui est très, très important, je pense, d'un point de vue économique, en effet, et à la fois économique financièrement, mais économique au niveau énergétique. Et c'est une de nos actifs forts chez Archipel, c'est d'avoir des experts en cryptographie qui nous ont permis de développer ce qu'on appelle un layer 2 en technologie blockchain, qui permet d'accumuler des transactions et d'avoir une scalabilité extrêmement forte, à moindre coût, et d'alléger finalement la blockchain, finalement, qu'on appelle le layer 1. Et ça permet d'avoir une consommation beaucoup, beaucoup plus faible et une très forte efficacité énergétique. Ça permet de préserver la confidentialité, hein, parce que ce sont des systèmes dits
Alors, c'est très technique, dit zero knowledge roll-up, avec finalement un renforcement de la confidentialité de toutes les données et les transactions qui sont inscrites. Mais ça garde et ça porte fortement, fortement la confiance. Donc, on est convaincu que ce sont les technologies qu'il faut mettre en place parce que les blockchains, par définition, ne sont pas capables de scaler un cas d'usage d'identité numérique à l'échelle européenne. Typiquement, il va y avoir des millions, des milliards de transactions tous les jours. Ça va être compliqué de le tenir sur une infrastructure, je dirais, classique, de blockchain classique. Et c'est pour ça qu'on a, nous, déjà mis en œuvre ces technologies. Alors, on les a mis en œuvre parce que déjà Archipel supporte des cas d'usage à très forte volumétrie, hein, avec les certifications de justificatifs de domicile, de bulletins de paye. Donc, on a des pics de charge de plusieurs millions de transactions par jour sur notre infrastructure, qui est déjà éprouvée. Mais ce type d'architecture va être, selon nous, la clé. Donc, dans EWC, on va aussi apporter ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à l'épreuve ce type de démarche qui est, je crois, assez unique dans le secteur de l'identité, en tout cas sur blockchain. Hein. Toutes ces technologies dites Layer 2 viennent du monde open source, des grandes blockchains comme Ethereum, hein, qui avait un vrai problème de scalabilité, et donc il y a des couches qui se rajoutent. Mais c'est finalement des solutions qui sont très prometteuses. C'est des solutions qui aussi renforcent la privacy. Et ça, c'est aussi un des éléments importants pour finalement que le registre ne serve qu'à porter des éléments de confiance et de transparence, mais que tous les autres types de données soient finalement dans ces architectures de Layer 2. Merci pour cette précision, mais c'est vrai, parfois il faut rentrer un petit peu dans la technique pour comprendre que ces technologies sont assez complexes et qu'il y a différentes architectures derrière pour pouvoir justement rendre leur efficacité d'interopérabilité, de privacy, de scalabilité, mais également on va venir sur le coût écologique. Parce que là aujourd'hui, vous avez tous aidé à répondre à la question des différents modes de gouvernance, mais on a souvent la question, mais quel est le coût écologique de la blockchain? Tu as commencé à aborder le sujet, Hervé, mais effectivement, je vais faire part d'une donnée, c'est que le 6 mars dernier, l'ADEME et l'ARCEP ont présenté leur troisième volet de leur étude « Évaluation de l'impact environnemental du numérique en France ». Eh bien, selon le scénario retenu, l'empreinte carbone du numérique en France va augmenter de 45% en 2030, et d'ici 2050, ça triple. Donc, et cela, quelle que soit la technologie. Donc, en fait, la question du coût écologique de la blockchain revient souvent dans le débat politique pour discréditer ce type de technologie, sans même avoir étudié l'impact environnemental des autres technologies. Donc, je donne déjà une petite réponse à la question, mais je vais me permettre de vous laisser répondre en une minute trente. Pour votre avis, est-ce un argument valable, ce véritable coût écologique, pour discréditer les architectures décentralisées? Donc, je vais commencer par, si vous pouvez apporter des éléments de réponse. Oui, bien sûr. Oui. C'est absolument vrai qu'on doit voir quel est le coût écologique de la technologie, mais je pense aussi comme... Je travaille toujours avec des clients qui utilisent notre solution de signature électronique, signature numérique, archivage numérique, envoi de messages digital. Donc, on fait des transformations, le passage de processus traditionnel basé sur le papier au processus digital. Donc, je pense que là, aussi, il faut voir quelle est l'alternative à utiliser cette technologie et si c'est plus ou moins important. Et aujourd'hui, je n'ai jamais vu des processus traditionnels qui sont moins écologiques que l'alternative digitale. Donc, c'est vrai qu'on doit regarder quel est l'impact de la blockchain, mais il faut aussi comprendre quelle est l'alternative. Pour exemple, on a parlé aujourd'hui d'identité digitale, mais l'alternative aujourd'hui, c'est toujours ma carte d'identité sur la plastique, le papier, et pour obtenir ça, je dois... Je dois aller physiquement pour la retirer. Donc, il y a aussi l'alternative qui serait très importante à évaluer. Je te laisse la parole, Pierre. J'aimerais,
J'aimerais parler du cas des technologies qui ont été qui sont adoptées par trois des provinces canadiennes qui représentent 75 % de la population. Première chose, la blockchain, je pense un petit peu la mauvaise presse parce que tout le monde pense blockchain. Beaucoup de personnes pensent à la Bitcoin. On a tous pris le temps, à un moment donné, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais la chaîne des blocs sont pas, les technologies de chaîne des blocs ne sont pas tous équivalentes. Et la technologie qui a été adoptée au Canada par les trois provinces est une technologie où si j'émets un permis de conduire ou un million de permis de conduire, j'ai deux transactions. Donc, l'empreinte de carbone, l'empreinte énergétique est vraiment très, très faible dans le choix de la technologie de chaîne des blocs qui est utilisée au Canada. Merci. Un bel exemple, en tout cas, une belle démonstration. Périne. Oui, alors d'abord, dans le groupe politique du partenariat européen de la blockchain, c'est une priorité absolue, hein, toujours d'y réfléchir à l'avenir également, même si ça a été les États membres qui se sont tous prononcés dès 2018 sur le choix d'une blockchain avec un impact le plus réduit possible. Moi, ce à quoi je pense souvent, c'est le nombre de données partagées et ce qui pèse vraiment dans nos data centers. Et je vois que le hash sera peut-être une solution justement d'avenir pour réduire ces empreintes carbone-là, parce que c'est finalement une façon de vérifier qu'une information est vraie sans devoir repartager toutes ces données, toutes ces informations. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Après, les personnes ne sont pas toujours curieuses. Hier, en marge du FIC, j'ai retrouvé le groupe PIX. C'est la culture numérique. En fait, c'est l'enseignement de la culture numérique en France et des compétences numériques. Et on parlait blockchain et on disait, mais les étudiants ne sont pas au courant. Ils peuvent être un peu au courant des crypto-monnaies, mais voilà, il y a une méconnaissance globale et c'est vrai qu'il faut de la curiosité pour s'apercevoir et défaire le sujet et savoir différencier la preuve de travail de la preuve d'enjeu. On a ici un champion français, Tezos, qui a optimisé aussi ce type de solution. Il faut quand même savoir toujours en parler et communiquer dessus. Merci de donner cette occasion de redire pour ceux qui ne seraient pas au courant. Je te laisse la dernière réponse, Hervé. Tu as déjà donné une partie de la réponse avec la layer 2, mais peut-être que tu vas rajouter. Alors, mais je suis totalement aligné avec toutes les réponses qui ont été données ici. C'est peut-être pour en faire un petit peu la synthèse, parce que, en effet, ces identités numériques et notamment les identités décentralisées n'apportent que des vertus écologiques, parce que, en effet, on optimise des processus qui sont potentiellement sinon physiques, offline, papier, qui nécessitent de se déplacer et de consommer du carburant. On utilise des technologies qui sont, en effet, si elles sont bien choisies, les plus économes possibles. Nous, chez Archipel, on s'attache forcément avec nos actionnaires et qui ont un accès à une énergie peu chère, mais surtout décarbonée, à finalement avoir une infrastructure qui est totalement dans des data centers verts. Donc ça, c'est extrêmement vertueux, mais il faut en effet faire cet effort et ne pas aller chez d'autres fournisseurs d'infrastructures qui seraient plus consommateurs ou d'autres types de sources d'énergie. Et puis surtout, en effet, le modèle décentralisé, Web3, si on généralise, il est extrêmement vertueux parce qu'il est destiné à redonner le contrôle dans un wallet des données et finalement à en partager le moins possible ou à ne partager que des preuves sous forme d'un hash cryptographique qui, lui, finalement, est léger par rapport au document lui-même. Et à minimiser surtout la duplication de la donnée dans tous les services sur lesquels on se rend. Donc on peut, alors ça va prendre du temps, mais on peut imaginer qu'on va avoir un numérique beaucoup plus sobre grâce à ces technologies dites Web3, dites de wallet, parce qu'on va moins dupliquer de la donnée partout sur l'Internet, où finalement aujourd'hui l'Internet est un énorme fouillis de données répliquées mille fois parce que je ressaisis tout le temps ou je retransmets les mêmes données mille fois à mille acteurs. Et donc ça, c'est une vertu forte qui est difficile à mesurer et qu'on oublie. Les technologies Web3, les technologies blockchain, finalement, économisent
de la duplication de données en s'attachant surtout à ancrer une preuve une seule fois et définitivement. Et comme ça, on n'a pas besoin de dupliquer les choses. Donc en fait, si je vous entends, les identités décentralisées avec le Web 3.0 permettent la portabilité en fait, des preuves de façon économe sous le contrôle de l'utilisateur. Et je pense qu'un sujet intéressant peut-être pour l'année prochaine, c'est de le coupler avec l'émergence du Edge Computing qui aboutit au Web 5.0 où en fait on va distribuer les fameux hash, non pas sur des nouveaux cloud ou des data centers, mais sur des data centers des clouds existants, ça peut être ceux des mairies, ceux d'un certain parc privé, mais également, pourquoi pas, sur nos box ou sur nos PC, pour ensuite profiter de la puissance de calcul partagée et potentiellement rétribuer même celui qui offre la puissance de calcul de la puissance de chauffage pour nous chauffer l'hiver ou nous refroidir l'été grâce à cause de la crise climatique. Donc j'espère que ces questions ouvertes vous ont permis de vous ouvrir les yeux sur surtout ne pas écouter ce qu'on appelle les blockchains sceptiques sur en lien avec l'écologie. Nous sommes ouverts à vos questions s'il reste du temps. Est-ce qu'il y a une question ? Imad ? Ça aurait été... Juste avant de partir, j'ai bien aimé l'exemple des diplômes qui ont plus que 40 ans, car c'est bientôt mon cas aussi, ça me parle beaucoup. Et cet exemple m'a beaucoup inspiré. Je me demande, pour une grande université, il y a une assurance déjà que dans 40 ans, il y a l'université qui est là. Mais il y a beaucoup de petites écoles qui, peut-être après 20 ans, n'existent plus. Si la clé privée de ces écoles qui ont signé ces diplômes numériques se trouve sur le dark web, tout d'un coup, il y a tous les diplômes numériques de cette école qui ne valent rien. Je me demande si, pour le long, long terme, un bon conseil serait de bien conserver le diplôme papier dans un bon tiroir, car à côté de diplômes numériques. C'est tout à fait possible, on peut imprimer le diplôme, le lien, et on peut l'imprimer et le garder chez soi. Donc oui. Voilà, il y a un QR code qui permet de vérifier sur le papier qu'il est bien, donc on a bien l'épreuve en ligne. Mais ça va. D'abord, il ne faut pas renoncer. C'était pas mieux avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le papier ne rend pas les services qu'il devrait. Hein, donc là, il y a un service supplémentaire. On a repensé la donnée, on l'a traduite. C'est un lien. Ça rend d'ores et déjà des services. Et bien sûr, on peut dire la même chose pour nos photos également. Imprimez vos photos parce que peut-être que vous les perdrez tous un jour et c'est une partie de notre identité aussi. Mmh. Bref, oui, on peut toujours imprimer. Aujourd'hui, manifestement, vous voyez, pour le test qu'on a fait, ça rend déjà des services. Ensuite, le département américain de l'éducation avait surtout ça en tête parce qu'il y a beaucoup de faillites d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles privées aux États-Unis qui font faillite et les enfants se retrouvent sans rien. Et sans bilan de compétences et sans transmission. On n'en est pas encore là en Europe et on espère que l'éducation continuera à être financée correctement pour assurer la pérennité de ces données. Il y a une obligation d'archivage dans les universités de 50 ans. Et aujourd'hui, ça va pas jusqu'à la blockchain, ça n'avait pas été spécialement anticipé non plus. Hein. Donc, c'est archivage papier dans les universités. Bon. Merci. Deuxième point, Imad, même si la clé privée devait être compromise 20 ans dans le futur, ça ne veut pas dire que les milliers, centaines de milliers de diplômes qui ont été émis sont accessibles. Dans le modèle décentralisé, on ne met pas d'informations personnelles dans la chaîne des blocs. On met les signatures, donc ça ne compromet pas l'information qui a été publiée dans le passé. Ça serait une attaque, un vecteur différent. Ce problème-là existe aujourd'hui. L'astuce, c'est d'avoir un certificat pour l'émetteur et la vérification de l'émetteur avec son certificat et son identité personne morale que va justement tester InfoGreffe. Et pour faire en lien avec le document papier, vous rajoutez un petit cachet électronique visible en lien avec l'URL qui vise le DID pour l'attestation et vous avez la solution numérique et papier tout en même temps. N'est-ce pas ? Pour une belle conclusion. Diplômé de cybersécurité.
Voilà, un bon lien pour pouvoir trouver un espace de travail commun qui peut permettre, dans le cachet électronique visible, en fait, d'embarquer ce lien de vers l'attestation et le DID ou l'URL de l'attestation électronique. Et vous avez tout en un, au lieu d'un fameux QR code. Alors, ça me fait penser que je n'ai même pas cité une des raisons économiques de faire ça, c'est le temps de vérification au sein de l'université, si vous voulez. À chaque fois qu'un employeur essaie de contacter une personne, alors surtout quand c'est des sociétés anglo-saxonnes, elles abreuvent toutes les adresses qu'elles trouvent de la scolarité. Et il faut savoir qui gère la réponse à la demande, et c'est très compliqué. L'ordre des médecins vérifie systématiquement, médecins qui... Ça prend 2 à 3 jours de traiter une demande jusqu'au bout en revalidant les informations sur le diplôme. Donc, on ne se rend pas compte, quand on est candidat, du travail généré. Du coup, il y a des vérificateurs spécialisés de CV, hein, pas seulement pour le diplôme, mais aussi pour le diplôme. Donc, oui, la vérification, ça demande beaucoup de temps de personnel qui pourrait être utilisé plus intelligemment, comme on le dit souvent. Voilà. Et puis, du côté des employeurs, aujourd'hui, donc, c'est à peu près 500 euros la vérification d'un CV par les organisations anglo-saxonnes et en Asie, moins en France, mais où ça pose aussi beaucoup de questions. Voilà. Merci, et ça permet de résoudre à l'instantanéité de la réponse, surtout. Merci beaucoup à votre écoute. Et merci surtout aux 4 intervenants, qu'ils soient français, européens ou francophones.